Oui. En rabat. 260. Eh ben, je trouve que c'est complètement hypocrite et idiot cette histoire. Donc, je m'arrangerai avec le patron du bistrot et puis voilà. Ils vont pas faire la chasse, ils vont pas mettre un flic dans chaque bar tabac pour savoir si les gens fument ou fument pas. Je trouve ça, c'est impossible à faire. Ça. Je vous remercie à vous. Mais bien sûr que je vais perdre de la clientèle, monsieur. 99% de mes clients au comptoir sont des fumeurs. Bien sûr que je vais perdre de la clientèle, monsieur. Alors bon, comment je vais faire? Je sais pas du tout, monsieur. Deux choses d'une. Ou on m'autorise à vendre le produit et on m'autorise à le laisser fumer, ou alors on décide que le produit est illégal et on arrête de le vendre. J'estime qu'on est libre. Si ça gêne, on s'en va. Moi, quand on me demande de m'arrêter de fumer, si je suis à côté, je dis j'arrête, je respecte la personne. Bonjour. Ok. Alors, 5-20. Merci. Au revoir. Bon, il faut savoir aussi qu'un bar tabac, c'est quand même un espace de convivialité où je pense qu'il faudrait faire une loi où le patron puisse choisir au moins si c'est un lieu fumable ou non fumeur. Fumeur ou non fumeur. La convivialité qui va disparaître du fait que les gens vont plus venir peut-être boire un coup, sachant qu'ils ne peuvent plus fumer. Ou alors ils vont passer vite fait boire un petit coup, sachant que fumer leur cigarette dehors, c'est pas ce qu'ils recherchent. Maintenant, ça donne la possibilité aux gens qui ne fument pas de vous dire non, Niette, on ne veut plus que vous fumiez nulle part. Moi, ça m'est déjà arrivé sur un quai de gare en plein air. Et on m'a dit, monsieur, c'est interdit de fumer en lieu public. Oui, mais on est. Même sur un trottoir, on va être obligé de. Ouais, oui. Allez, ça va. Adios. Au revoir. Ciao. Donc j'ai fait de ce lieu un établissement non fumeur, il y a un an de ça, en 1er septembre 2006, et pour deux raisons. La première, c'est que je ne supportais plus les cigarettes. La deuxième, je me suis aperçu que j'avais beaucoup de clients qui me demandaient si mon établissement était non fumeur. Et donc sur ce fait, j'ai décidé, il y a un an de ça, de faire l'établissement non fumeur. Et depuis, j'ai fait que augmenter ma clientèle et en plus mon chiffre d'affaires. Well, I know there's going to be a big problem with the neighbours of the actual pub,
because we have problems anyway with the noise when it gets too rowdy. And within when January comes and we're going to have people outside smoking, it's going to be a big problem.